Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nintendo Switch. Aujourd'hui, on va jouer à Windjammer 2, donc la suite du Windjammer qui existait en arcade et donc en format MVS. Et sur la Neo Geo AES, un excellent jeu, un contre un où on se jette des frisbees. Et ouais, on peut faire des super pouvoirs, etc. C'était vraiment, vraiment un super jeu sur la Neo Geo. Là, on va se faire un petit voilà, un petit match pour que vous compreniez un petit peu. Donc différents personnages, donc beaucoup plus que sur le jeu original. Donc on a à la fois la vitesse et à la fois le power. Donc il y a des persos qui ont plus de power, il y en a qui sont un peu plus équilibrés. Petit clin d'œil à Fatal Fury, à l'intro de Fatal Fury, elle est exactement comme ça, avec écrit Fatal Fury et tout qui passe. Premier round. Donc de la maniabilité, c'est voilà, c'est assez facile. On a un bouton pour faire des espèces de lobes, un bouton pour tirer tout droit. Après, on va pouvoir courir. On va pouvoir également repousser. Donc ça c'est nouveau. Repousser le frisbee. Alors là, il faut un timing. Il faut un timing particulier. Voilà, après on va pouvoir également sauter. Voilà, pour, et là, voilà, donc en fait, quand le frisbee vous arrive, il y a moyen. Ah, mais ça, je me suis fort. Il y a moyen de voilà, de le faire partir à l'air et de bourriner le bouton pour charger. Voilà, là en fait, j'ai repoussé le frisbee directement, j'ai pas attendu de l'attraper puis de relancer. On peut également faire des effets. Voilà, et le but du jeu, donc, c'est d'envoyer un peu comme qu'on s'appelle, à la fête foraine, hein, le jeu des palais là. Donc, d'envoyer le frisbee derrière son adversaire. Les parties où les mousses sont jaunes, là de chaque côté, c'est 3 points. Les parties où la mousse est rose, c'est 5 points. Et donc, c'est le premier qui est arrivé en 5. Ah, mais ça. Qui arrive en 15, pardon. Qui gagne le match. Et voilà, donc il y a deux matchs pour gagner. Donc ce qui est cool, c'est que après il va y avoir des arènes un petit peu différentes avec soit des obstacles devant ou alors la répartition des 3 points et des 5 points, là, ça va être un petit peu différente. Voilà, et donc là on va aller se balader. Donc là j'ai le choix entre deux. Allez, on va prendre celui. Non. Voilà, là par exemple, au milieu là, on a deux espèces de bumpers qui vont changer la direction du truc. Ah, raté. Là, s'il appuie sur les deux. Ah merde, il m'a contré. Ok.
Allez, là, là. Voilà. Donc c'est un jeu, voilà, c'est pas pour voilà quand on joue pour jouer à deux là, se faire des petits tournois, c'est plutôt sympa. Il y a possibilité aussi de jouer à ligne. Ah, raté. Voilà, mais ça déconne. Le saut, ça n'existait pas dans l'original. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi là. Alors, essayez de. Le saut, ça n'existait pas. Le renvoi aussi de. Ça là. Le fait de renvoyer le frisbee. Voilà. Allez. Allez, on va faire encore un autre match. Voilà, après vous avez compris le truc. Il y a des petits jeux bonus. Il y a un tutoriel aussi qu'on peut faire qui explique les mouvements, comment glisser aussi pour vite rattraper le. Ah, mais chaque fois je me bourre de boutons. Bon, un petit jeu bonus. Allez, on va juste voilà, faire le next round. Rooftop, allez hop, rooftop. Et puis on s'arrêtera là. Voilà, donc là par exemple, voilà, c'est encore un. Donc il y a des bumpers au milieu. Et par contre, la zone des 5 points est vraiment très petite. Chaque personnage a deux attaques spéciales. C'est suivant les boutons, hein, donc soit le bouton de tir tout droit, soit le bouton de lob. Allez, dernier round, et puis on s'arrêtera là. Il y a également une barre. Hop là. La barre qui se remplit en bas là, qui permet de faire le super coup. Allez, là, faut pas qu'il marque le sec. Allez. Ah mais ça. Ouf. Allez, c'est bon. On a gagné. Voilà. C'était Windjammer 2. Vraiment le jeu d'arcade qui est vraiment, vraiment sympa.
Voilà, mais faut jouer en ligne ou avec des collègues, se faire des petits tournois. On passe un super bon moment. Voilà, il y a plein de persos, des petits jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, en mode 1 contre 1. Et puis l'entraînement qui va vous expliquer un peu toutes les. Voilà, un tutoriel pour sauter, renvoyer le frisbee. Voilà. Donc, ça, il y a 4 persos qui sont. Qui soit en plus de la version originale, il me semble. Là, juste pour vous montrer voilà, que lui, il a d'autres, d'autres coups spéciaux. Et voilà, on se quittera là. Donc, lui, il est plus lent, mais il est plus. Il est beaucoup plus puissant. J'ai essayé de faire un super coup, mais il ne me fait que des lobes ce con. Ah merde, il m'a fait rentrer dans le truc. Hop, voilà, bon là j'ai fait un super coup. Allez, sur ce, ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.